vu l'importance de ces manuscrits, vu leur importance quantité aussi, vu qu'on a un grand besoin, donc on a besoin d'aide internationale, parce que nous, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, même pour l'évacuation de ces manuscrits, c'est toujours les ONG, les États qui nous ont aidés à faire ça. Et maintenant, pour valoriser ces manuscrits, jusqu'à leur retour, aussi on a besoin d'aide de l'opinion internationale. Et ces manuscrits font partie du patrimoine mondial. Donc c'est pour tout le monde. Les manuscrits, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Donc on travaille pour nous, on travaille aussi pour le futur. Donc c'est quelque chose de commun. C'est pour tout le monde. Les gens du Mali ici, ils savent que le manuscrit, ça fait partie de leur patrimoine. Et le manuscrit, c'est leur identité, c'est leur histoire, c'est leur fierté. Parce que sans le manuscrit, ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne se trouvent même pas. Donc, à partir des manuscrits, ils savent ce qu'ils ont. Ils connaissent leur histoire. L'objectif visé, en réalité, nous, de toutes les façons, on prépare le retour. Un jour, on va retourner à Tombouctou. Donc, il y a une de nos urgences. Il faut préparer le terrain. Là-bas, il faut rénover et reconstruire les bibliothèques qui sont dégradées à Tombouctou. Il faut faire un répertoire pour ces manuscrits. Il faut cataloguer une partie de ces manuscrits. Il faut mettre les manuscrits dans les boîtes de conservation pour les sécuriser contre l'humidité, contre les autres dangers. C'est ça l'urgence. J'ai commencé par ça. Je viens de dire qu'on a trouvé qu'il y a l'humidité ici. C'est pour cela qu'on a contacté les partenaires encore. C'est avec l'Université de Hambourg, Fondation Henkel, le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne, on nous a donné des humidificateurs qu'on a placés dans chaque maison et c'est ça qu'on a mis contre l'humidité. Et je pense que l'humidité, aujourd'hui, on a une solution pour ça. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime tous les manuscrits. Tous les manuscrits font partie de mon corps. Donc, je les aime tous. Mais je vis un manuscrit qui parle des droits de l'homme, qui a été fait par Ousmane Danfodou. Il parle des droits de l'homme. Il parle d'un enfant dans le ventre de sa maman. Donc, il parle des droits de cet enfant qui est dans son ventre et des droits de sa maman jusqu'à la naissance. Il parle des droits de l'enfant et des droits de sa maman jusqu'à quand l'enfant a grandi. Maintenant, il parle des droits de l'homme en général. Dans tous les domaines. Il parle de ce qui concerne la religion, il parle de ce qui concerne la santé, il parle de ce qui concerne la sociale, il parle de tout. C'est un manuscrit vraiment qui m'a beaucoup impressionné.